tous, c'est Mafumis30 et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed 4, Black Flag. Silence. La statue du temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane? Son portrait craché, oui. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote? Tout est ta faute, Capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, Mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur il attache à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention et tu feras moins de victimes. Ah ouais, Sabacane. La Sabacane est une arme à distance efficace et sérieuse. Vous pouvez lancer des flèches supporifiques au furet. Vous pouvez acheter des flèches dans un magasin général fabriqué à partir de la bonté. Les flèches supporifiques endomment l'ennemi quelques secondes et que vous en et visez LT et tire avec RT, maintenez immédiatement sur l'ennemi en supporant s'appuyer sur Y. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais vite. Comme ça. Efficace et silencieux, non? Ok, ensuite. Ah, le mettre KO. Il faut le mettre KO. D'accord. Il y a un coffre là. Bah, le coffre que je voulais tantôt, en fait. C'est le coffre que je voulais tantôt. Et hop. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre? Est-ce qu'on va pouvoir le prendre, ce coffre? Attendez, on va activer la vision d'aigle. Crève! Et merde de crever. J'en suis sûr, après tout, c'est l'attente que voilà. Les trouve. Ah bon, il est sorti du sol? Ici, là. Oula, tout juste. Retourne-toi. Et meurs. Mais. Voilà. Tais-toi, saloperie. Voilà le quatrième coffre que je voulais. 1 sur 14, c'est libéré. Bon. Continuons, la suite. Plutôt toucher lui. La Sarbacane. De toute façon, c'est lui qui a l'arme. Il fait dodo. Il va se réveiller, c'est ça? Bah forcément, il va se réveiller. Comment on va pouvoir faire alors ici? Il l'a toujours vu, c'est ça? Ouais, il pourra les tuer si je fais ça. On va plutôt mettre... Bah non, oui, mais il arrête de mourir, c'est tout. Voilà. Lui aussi, dès qu'on sera au tuera. T'as là, les deux assassins. Aïe 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 aïe. On a intérêt à faire très gaffe. On va voir comment on va pouvoir s'en sortir. Peut-être en passant sur le côté plutôt. On va voir. Par ici. Par là. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Tais-toi. Libéré. Et en plus. Et un coffre en plus. Voilà, 5 sur 7. On va passer sur le côté ici à gauche. On va passer comme ça, nickel. Bon, je sais pas comment on va faire. Pour que l'autre ne nous voit pas. J'ai une idée. Allez. Maintenant. Voilà. Tu as ma gratitude, mais pas mon pardon. Et toi? Allez.
toute façon, on en a encore des flèches. Utilisez les flèches furieuses sur les gardes. Il y en a les autres aussi. Fléchette furie. Une fléchette furie. Tuez-vous l'un l'autre. Nice. Du calme, du calme. Crève. Voilà. Allez, salut, salut. Un esclavagiste qui a fait venir ses soldats. Un nommé Lawrence Prince. D'accord. Il nous reste combien à faire pour les objectifs? Ok, maintenant j'ai plus qu'à utiliser les autres fléchettes. Les fléchettes comme ça. Et fais dodo. Adieu. Voilà. Et libéré. Mais ils vont pas te reprendre, mon ami, t'inquiète pas. Ils ne vont point te reprendre. Ils n'auront pas l'occasion. Attendez, attendez. Ici, c'est une stèle, quoi. Tenue Maya. Où est-ce qu'elle est? Ils nous disent qu'elle est ici. What? Bizarre. Bizarre, bizarre. Enfin, soit. On peut s'occuper de ça, là. Voilà, on va l'enlever, la marque personnelle. Faut libérer les autres pour l'instant. Mais d'abord, on va pas cracher dessus sur un point d'observation. Oh, que non. On va grimper là-dessus. Et le faire. Oh, salut. Salut, salut, salut. Vous êtes là aussi? Bah, alors, synchronisons. Ils sont là, tranquille, en mode pile. Oh, on synchronise aussi. Putain, ça fait longtemps que vous synchronisez, vous, les gars. Non, mais c'était sinon, c'est pour faire un triangle. Ah, c'est vrai qu'on fait un triangle, les gars. Non, de si. Oh, stylé. Stylé, stylé. Non! Je voulais pas synchroniser, je voulais descendre en fait. Y'a pas moyen de descendre comme ça? Parce que synchroniser, j'ai déjà synchronisé. Et si je saute là, ça va pas le faire. Donc je voudrais bien. Je voudrais bien. Ah, même de là! D'accord, d'accord. Oh, faut encore pimp les gars, on fait. Bon, on fait une drôle de. De truc, mais on est stylé. Et je sais que j'ai déjà débloqué ce truc. Aïe. J'avais pas le choix, il pouvait pas descendre autrement. Elle descend là. Est-ce que tu veux bien? Prends-le. Ah non, on l'a pas su le prendre. On l'a pas su le prendre, je veux le prendre, je veux le prendre. Je crache pas dessus sur ça. Pas du tout même. Par là. Je voulais faire ça. Et faire. Est-ce que ça passe? Je suis un petit peu. Non, pas par là. J'ai du mal franchement avec avec ça. J'ai du mal avec ça. Pourquoi ça veut pas, ça veut pas. Non, ça veut pas. Je me démerderai plus tard pour savoir le faire, ça. Je me démerderai, je me démerderai. En tout cas, on va les toucher ainsi. Voilà. Touk. Voilà. Et un dodo en plus. Un. Fais dodo, là là, mon petit frère. Fais dodo, je te récupère et que tu dors. Boum. Voilà. Ça s'est fait. Que la peste emporte ces négriers. Ouais, ouais, il faut juste les tuer, c'est tant pis. Oula! On touche pas à mes membres d'équipage. Bien. Non, laissez-les moi! Voilà. J'en ai besoin. Voilà. Plus qu'un. Eh, j'aurais pu assez de flèches au fait. Non! Encore raté. S'occuper de lui. Voilà.
Un coup. Non, laissez-moi. Il m'a pas vu. Si, il m'a vu. Il m'a vu, en fait. Aïe. Esquive. Maintenant, mourrez. Merde, on a eu des pertes. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Tu vas crever. Eh, merde. Pour la peine. Crève. Ça, c'est pour la peine, ça, tu vois. Ah, attendez, attendez, attendez. Prendre munitions. Excusez-moi. Non, fléchette furie, ça m'intéresse pas. Ah, ils ont une fléchette soporifique. Eux, ils ont rien. Parce qu'il m'en manque plus que... un, pas à tuer, mais un, endormir avec les fléchettes soporifiques. Comme ça. Allez. Crève. Prendriez vos jambes. Non. Laisse-le. Crève. Et lui aussi. Boum. Te dois la vie, mon frère. Voilà. Bah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Merci. Mais il me faut une, des nouvelles flèches explosives. Enfin, qui endort plutôt. Plus qu'un à faire. Plus qu'un, plus qu'un. Plus qu'un, on sera tranquille. Ils sont blindés. Ils sont durs comme on voulait. Comment on va faire? C'est bon, ça c'est fait en tout cas. Allez les gars! Non! Faut pas qu'il les tue! Faut pas qu'il se fasse tuer! Faut pas qu'il se fasse tuer! Faut pas qu'il se fasse tuer! Voilà, c'est bon. Plus qu'un. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. Plus qu'un à sauver, ce sera bon. Oula, oula. Merde, 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 merde. Il paraît qu'il a une lettre de marque du gouverneur Hamilton. C'est bon. Et qu'on doit lui témoigner tous les égards. Salut. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'il cherche quelqu'un et qu'on doit l'aider à le trouver. C'est bon maintenant, tac. Tac. Bien, mec. Aïe. Donc c'est moi, c'est pas grave. Hop. Et hop. Attends, munitions. Munitions, munitions, munitions. On crache pas dessus. De si loin, ça compte pas. J'ai perdu un petit peu. Mais si j'arrive à les libérer, ce sera suffisant. Voilà, c'est bon. Culpabilité. Et gentillesse. En fait, les deux. Ouh, voici. Qui observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lawrence Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque. Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. Ah ouais, c'est quoi que tu voulais? Tu voulais qu'il me crache dessus, ah ouais. Tu voulais qu'il me mette dans la merde et tout, hein. C'est ça que tu voulais? Ils savent s'amuser, tes amis. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi, votre cause? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde. Soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois, tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens.
confisqué nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis ? Ouais. Je vais te montrer. Toutes les Siba assassinées, c'est ça ? Ouais, ouais. J'en ai déjà assassiné quelques-unes. Mission accomplie. Et j'ai réussi à 100% plus. Tac. Faudra sûrement en assassiner, c'est ça ? Pourquoi pas ? Je dois tuer des Templiers. Je sais que notre credo pourra pas te convaincre. Mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent ? Toujours. Alors exécute ces contrats en notre nom. Et nous te paierons. Une association profitable. T'inquiète pas. Bah. Stalmaya, hein, point d'observation 1 sur 2, comme ça. Ok. Interagir. Je te suis. Suis-moi. Ah ouais, je te suis. J'ai un dernier secret à te montrer. Et ouais, je voudrais pas être sur la pompe là. Tu es membre de ces assassins. C'est ça en fait. Depuis 2 ans, j'ai rencontré Atabai à Spanish Town. Et quelque chose en lui m'a inspiré confiance. Une sorte de sagesse. C'est lui qui a bâti tout ça ? Non. Non, Edward. Assassins et Templiers s'affrontent depuis des milliers d'années. Dans le monde entier. À l'origine, la philosophie des indigènes du Nouveau Monde était proche de notre credo. Je pique tout. Ils font ça aussi, hippie. Nous nous sommes associés. L'enfoiré, vous imaginez. L'enfoiré, quand même. Ah, des flèches. La culture, la religion et la langue entretiennent la division. Mais le credo des assassins a toujours su effacer les frontières et les différences. Sauf avec les Templiers. L'amour de la vie et de la liberté. Les Templiers, ils veulent plus ça. Un peu. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je te suis, en tout cas. Je sais pas où tu veux m'emmener. Mais je vais bien te suivre. Dis-moi ce que tu veux qu'on aille et on y va tout de suite. Hein. Où tu m'amènes ? Tu m'amènes devant une tenue, c'est ça ? Parce que là, ça a l'air d'une tenue. Voilà. Le truc que je disais, que je voulais aller voir. Prends la pierre que t'as découverte sur la stèle Maya. Et insère-la ici. Ah ouais ? Sérieux ? Ok. Je le fais. Ah mais on a plein d'air à voir. En voilà une. Plus que quelques dizaines à trouver. Et j'en retirerai quoi, dis-moi ? Du respect, pour commencer. De la part des hommes et des femmes que t'as mis en danger. Et si ça te suffit pas ? Y a un trésor derrière cette porte. Un trésor vieux de plusieurs siècles. Ouais. Je te promets que si tu veux te donner la peine de les retrouver toutes, tu n'auras pas à le regretter. J'en doute pas. Et toi alors, tu repars à Nassau ? Quand un autre contrat m'y appellera, ouais. Pour l'instant, ma place est ici. Les clés, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ici, enfin, avec les clés, je sais ce qu'il y a derrière. Par contre, ça, je sais pas justement ce qu'il y a derrière. Mais j'en ai plusieurs. Ou elles sont peut-être déjà installées. Non, c'est bizarre. Alors, on va peut-être sortir d'ici, comme ça. Essayer de retourner. On va voir. Il n'y a pas d'interaction. Pourtant, on en a récolté plusieurs. C'est ça qui me perturbe. Mais ça me tente tout ça. Tous les trucs secondaires ici, ça me tente. Ne vous inquiétez pas que je vais les faire, Ah ouais, je voulais réessayer ça. Ça, je voulais réessayer parce que ça me paraissait bizarre que je puisse pas le prendre comme ça. C'était quand même abusé. Voilà. Je me disais bien qu'on pouvait le prendre. Je me disais bien. Donc, ah oui, il y en a encore un ici de fragments. On va aller le chercher aussi. Faut que je puisse que je monte, c'est ça? Ah non, pas forcément. On peut l'avoir directement ici. Voilà. 3 sur 5 pour ici. Il y a des fragments là. Il y a un coffre là. On va aller chercher le coffre d'abord. On va d'abord aller chercher le coffre. On prend tout de toute façon, comme d'habitude. On s'amuse à prendre tout et voir ce que ça donne et tout ça. Moi, le jeu, je le fais peut-être pas à 100%. Mais je le fais quand même à beaucoup de pourcents, quoi. Moi, je trouve ça marrant d'aller récolter et tout ça. Déjà, tous les assassinats, je compte les faire. Les trucs des Templiers, pareil. Les Stelmaya, comme ici, maintenant. Ah, maintenant que je vois qu'il y a de l'importance, je vais le faire. On prend tout, on crache pas dessus. Il y a ça. Il y a un fragment encore ici.
À 150 mètres, ça va, ils sont pas trop loin à chaque fois. C'est quand même une distance raisonnable. C'est pas la porte à côté, mais ça passe, on va dire. Regarde, on est déjà presque à 100 mètres. Ça va aller très rapidement. Puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Peut-être un petit assassinat, je sais pas. J'hésite encore. Continuer directement du principal, je suis pas trop convaincu. Ah, plus haut. On va essayer. Non, ça va pas être possible. Il faudra que je passe autrement. Pas moyen. Non, y a pas moyen comme ça. Pas où est-ce que je peux passer là. Il y a sûrement un chemin de l'autre côté alors. Pour pouvoir prendre ce fragment. Il y a aussi un point d'observation ici. Le deuxième. Hey, qu'est-ce que vous faites les gars, ça va? Hey, calme. On se calme ici. Non, ça va. En fait, si vous voulez vous taper dessus, allez-y. Moi, je veux pas prendre les conséquences de ça. Moi, je veux pas avoir les conséquences. Et ça, je le veux bien. Un peu de métal. Tout est bon dans le métal. Ouais. Sauf que là, tu veux bien passer en dessous. Sauf que là, je vois pas. Passons, on devrait revenir. On y reviendra donc. Navire. Et on est reparti. Salut, Cape Cache. Ça fait longtemps. Naviguer en mer. Quitter ce lieu. On va quitter ce lieu. Ah. Où est-ce qu'il nous emmène? Est-ce qu'on quitte l'animus ou on va directement ailleurs? Comme ça, bizarre. La défense, quand j'ai fait ça, on a quitté l'animus pour se retrouver avec les autres. Ah non, même pas. Il y a un contrat d'assassinat tout près qui dit. Enfin, tout près. Ouais, tout près, c'est vite dit. Mais il y en a quand même un là. Au pire, on peut aller faire ça. C'est pas forcément le plus proche. Ouais, bon, vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que je fais dans tes cas ici quand je vois que l'objectif est vraiment super loin? Parce que là, regardez, on est à 3 km de ça. Et réellement, 3 km. C'est qu'on va sur une petite ellipse. Et dès qu'on est là-bas, on se reprend. Et puis on va s'occuper de cet assassinat. Allez, à tout de suite, les gens. Au passage, il y a un petit fragment ici. Donc, on va aller chercher le petit fragment. On va aller. J'arrive les gars, vous inquiétez pas, j'arrive. Je vais juste chercher ce fragment. Et on est reparti. Je sale la couette. Si tu veux, ouais, je me sale la couette. Je sais pas si c'est ça qu'il dit exactement, mais comme il dit. En gros, je suis à l'eau quoi. Voilà, peut-être qu'il m'insulte. Bon, il dirait pas de son capitaine. Comme si un membre de son équipage dirait quelque chose de mal de ce capitaine, même s'il était vil et monstrueux et qu'il prenait tout leur argent pour lui et son seul intérêt. Non! Jamais un membre d'équipage fait ça. La glissade. La belle glissade comme ça. Et un nouveau frac. Bon. Donc, je disais un nouveau frac. Bon, voilà. Enfin. 3 sur 30. Bah ça va, on est bon. Bon allez. On continue. A tout de suite. Voilà, on va arriver. Il y a plein de bateaux. Tout juste que c'est pas une zone rouge. Parce que sinon, c'est pas qu'on serait dans la merde, mais... On serait franchement dans la merde. Dans la mouise. Non, et je prendrais pas le risque juste pour troll. Je ferais même pas un petit tir juste pour rire parce qu'ils vont m'attaquer directement. Eux, ils vont pas chercher à comprendre. Bon, on se reprendra plus tard. J'ai pas envie d'aller lever l'ancre. On se retrouvera après. J'ai jamais été ici. Ah, Royos. Ouais, ok. On y va. Déplacement rapide, débloqué. On pourra venir plus facilement ici, même si je sais pas si ce serait intéressant puisque à chaque fois j'ai pas vu ça à tout faire quand c'est assis. Cette cible, on peut pas nous dire comment je dois la tuer. Suite progression, non pas ça que je voulais faire, à chaque fois je me trompe. Ils nous disent rien de spécial par rapport à la mission. Bah je vais considérer qu'il faut le tuer normal. On va considérer ça. Ou alors... Ah non, c'est juste pour nous dire où est-ce qu'il y a un truc d'assassinat, c'est vrai. C'est vrai, ça, ça nous dit seulement où est-ce qu'ils sont, les trucs d'assassinat. Bon, au moins on découvre une nouvelle ville et on se rapproche de l'objectif. Enfin, la meute, je pense. Quoi? Quelle meute? Et qui me parle? D'accord, si tu veux, ouais, la meute. Je
Si tu veux, la meute, la meute. Moi, on va récolter un peu d'argent et tout. Bon, on va sûrement revenir ici, mais... Au moins, ce sera un voyage rapide la prochaine fois. Ce sera déjà ça de fait. Ce sera déjà ça de fait. 1 sur 5. Bon, ça va, il n'y en a pas tellement que ça. J'aurais cru qu'il y en aurait plus, ici. Est-ce que tu sais aller sur ce pilier-là? Ouais, tu sais aller. Ouh, tu m'as fait peur. Mon petit Edouard. Alors, notre cible, où est-ce qu'elle est? Où est notre cible à tuer, mon ami? Dis-le-moi. Voyons voir ça. Alors, récompense, mine de préparation au combat, 500 plus. Un groupe de pillards de taupes britanniques s'attaque au cimetière de la région. Mettez fin à ces idées insomniables. Sois sérieux. J'accepte. Allez, envoie-le-toi. Comme ça, tout le monde sait que je suis venu ici. Faudra s'occuper de ça. Où est-ce qu'il est? Il est loin d'ici. Ah ouais, il est loin d'ici quand même. Il est franchement pas mal loin. La quête principale, où est-ce qu'elle était? On va voir. Vous me direz? Je me disais que je me rapprochais pas, mais en fait, si. Et il y aura une cible en plus là à faire. Donc on s'occupera de ça d'abord. Faudra que je m'occupe de ça. Ouais, ouais, ce serait pas mal intéressant. On va voir ici qu'est-ce qu'on a à faire. Après, on va pouvoir se laisser la poule cet épisode. Ça aurait été pas mal, pas mal. T'aider à distancer la meute, capitaine. Non, ça va, ça va. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, t'inquiète pas, la meute. Je m'en occupe moi-même. Pas besoin de payer pour ça. J'ai deux missions à faire d'assassinat déjà. C'est déjà ça. Y'a déjà beaucoup à faire là. Quand même. Bon, le point d'observation, je peux y aller. Parce que là, c'est pas que c'est lent. Mais c'est quand même pas mal lent. Vas-y, crabe. Waouh, tout juste, tout juste. Tu peux pas passer de l'autre côté, s'il te plaît? Si, il peut. Bien sûr qu'il peut. Edouard, Kenway peuvent tout faire. Avec la tenue. Ah oui, je vous avais dit. La tenue de Connor. Que je trouve vraiment plus stylé. Quand même. Ça lui va mieux, je trouve. Passer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et grimpe. Grimpe. Fais-toi plaisir. On va devoir faire ça pour contourner. On va y arriver. Hein. Je sais pas comment, mais on va y arriver. En passant par là, peut-être. Ouais. Plus en passant par là. Ce sera fort appréciable de passer par là pour pouvoir faire le point de synchronisation. Voilà, synchronisons. Avec la même musique. La classe quand même. Donc, et maintenant on peut plonger dans l'eau, c'est ça? Un homme à la mer! Wow! Imaginez ça en vrai. La chute que ça fait là, je pense pas que ça se passe ainsi réellement. Je pense pas qu'on se relève facilement. Eh, tout, ça va, nickel. On se demande quoi si on n'est pas entraîné. Tac! Il y a un nouveau coffre aussi de l'autre côté. Oh, pardon! Pardon, mon ami! T'es en train de pêcher, j'ai vu. Excuse-moi, mon ami. Comme il a valsé, le pauvre. J'ai pas fait exprès. Allez, 3 sur 5. Et on récolte encore pas mal d'or là. On est déjà à plus de 13 000. Ce serait intéressant quand même d'aller acheter des trucs avec tout ce qu'on a maintenant. C'est une taverne, ça, je pense. Voilà, c'est sur la droite la taverne. Là, c'est pour acheter justement des trucs. On va en acheter. S'il y a moyen d'acheter une tenue, je voudrais bien un peu changer. Même si j'aime bien la tenue de Connor quand même. Je l'aime bien. Bonjour. Commercez. Ensemble d'épée, tenue. On va voir ce qu'on va pouvoir prendre. Ah ouais, elles sont quand même pas mal, mais... Elles coûtent cher, quoi. 10 000. Capitaine pirate. Oh, celle-là, elle est bien. Elle est bien. On va se contenter. J'arrive jamais à me contenter, moi. Je l'ai prise! Voilà! Faudra que je me l'équipe. Parlons de ça. Diminution. Des flèches poréfiques. Je suis déjà full? J'ai l'air d'être full. On dirait tant mieux. Ah, mais je peux pas vraiment. Bon, il faudra attendre. Faudra que je récolte encore de l'argent pour pouvoir faire ça. Faudra. C'est obligé même, parce que sinon, on sera dans la merde. Bonjour, je pourrais commercer avec toi? Ah, c'est pour mon bateau.
J'ai pas assez. J'ai assez, j'ai déjà acquis. Pour ça, je veux bien. Puissance éperon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du mortier. Je veux bien du mortier. Ça, j'ai plus assez. Je veux bien des boulets explosifs. Ça c'est bon, tout ça est bon, nickel. En contrepartie de poulet explosif. De nouveau. Et j'ai plus rien de toute façon. Voilà. Boulet explosif. Les boulets explosifs causent d'importants dégâts, mais seulement à courte portée. Obtenez un pour regarder la suite et appuyez sur RT pour tirer. Merci de tout ça. Bon, on l'a pas tellement amélioré visuellement. On a rajouté des trucs qui seront fort intéressants pour le combat. Et c'est ça le plus important, on va dire. C'est quand même ça le plus important. Ouais, merci. Merci à toi. On va prendre encore les coffres. Oh ouais, regardez cette tenue. Là, on a l'air d'un vrai pirate. Et d'un assassin en même temps. Que demande le peuple? À pas se tromper que c'était là-haut qu'il fallait prendre pour le coffre. Peut-être ça. Il demande peut-être ça, le peuple. Un petit peu. Pour pas perdre de temps. Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Voilà. J'avais eu peur de retomber encore dans l'eau. Pas sur le côté, oui, comme ça. Et maintenant, tu récupères le trésor. 4 sur 5, encore un. Et le dernier, il est vraiment pas loin, il est juste là. Donc, on se crache pas dessus non plus. Et à vue de tout le monde, il y a tout le monde qui pourrait le prendre. Il y a personne qui veut 284 or. On me dirait, vous voulez pas. Je suis pas fou, moi, mais moi, je le prends. Hein. Sans aucune hésitation. Et bam, encore un nouveau fragment. 2 sur 3 ici. Et le dernier, il est juste là. Donc on va aller le chercher. Ah, deuxième homme à la mer. Oh, j'avoue, celui-là, c'était pas peut-être fait exprès, mais un petit peu plus que l'autre quand même. Je l'avais quand même un peu mieux vu. Et celui-là, je l'ai fait exprès. Comment elle a stressé? Mais non, c'est... ça va, il y a de l'eau. Hein. Il va pas mourir, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. T'es sérieux que t'es tombé? D'accord, si tu veux. Il arrive à tomber comme ça. Il reste quoi sur cette île? Alors, il reste capitaine du port, amélioration. Il reste plus rien, j'ai tout fait. Point d'observation. Il a l'air que j'ai tout fait pour cette ville. On sait pas le savoir. 3 sur 3. Ah, un fragment, il m'en manque un. Et où est-ce qu'il est, dernier fragment? Bizarre, je ne le vois point. Je pensais être sûr d'avoir tout vu. Il y a ça. Ok. On va agrandir la carte. Bizarre. Non. Putain, on aurait pu faire un déplacement rapide ici, t'es sérieux? Merde, je suis deg. Bizarre, il nous dit qu'il y a encore un fragment, mais je vois pas où ce qu'il est. 5 sur 5, les coffres. Bizarre, ça. Ou dans tout le truc, alors. Ah, mais c'est le continu, au fait. Ah, mais on a tout, alors, ici. On a tout. Je pourrais juste savoir... taverne. Ah ouais, ça nous dit vraiment tout. C'est pas mal ça. Bon, en tout cas, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode pour ici. Je vérifierai si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Sur ce, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur ce let's play. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime pour faire connaître ce let's play. Et sur ce, Edouard et moi, on va vous dire à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!